Le département des arts du spectacle est, comme son nom l'indique, un département dédié à la mémoire des spectacles, qui conserve une très très grande diversité de documents, aussi bien des livres, comme on le voit ici, des revues, mais aussi des archives de théâtre, de compagnies, d'artistes, des manuscrits, des maquettes, des costumes, en fait, toute trace de ce qui fait la mémoire de ce patrimoine éphémère. Cette salle de lecture a été rénovée à la faveur des travaux du projet Richelieu. L'architecte de la rénovation du site, Bruno Godin, a imaginé ce magnifique espace de travail. C'est la seule salle moderne, salle de lecture moderne du site, avec une alternance de bois clair et de blanc. Derrière ce rideau de bois, toute une armée, une équipe s'active pour faire marcher la salle de lecture. Ici, nos lecteurs vont trouver des conditions de travail à la fois sereines et lumineuses, avec beaucoup d'ouvrages en libre accès autour d'eux. Vraiment un lieu tout à fait propice à la recherche et en même temps tout près des espaces d'exposition. Alors là, nous sommes dans la Rotonde des Arts du Spectacle, qui est un nouvel espace d'exposition du site Richelieu, qui est ouvert à tous les publics qui pénètrent dans le site. Comme vous le voyez, on y a une sélection de pièces à caractère plutôt muséal des collections du département. Alors on peut on est attiré par ce superbe manteau qui a été porté par Sarah Bernard en 1902. Mais autour de nous, on a vraiment bien d'autres types de documents. Ces masques à réaction, des masques plus anciens, un masque japonais et un masque balinais. Cette marionnette magnifique d'inspiration birmane, des maquettes en volume, des tableaux, ce magnifique portrait de Sarah Bernard d'après une photo de Nadar. Depuis la rotonde, on peut accéder soit à la salle de lecture, soit à la galerie de verre, et qui permet aussi d'avoir une très belle vue sur la cour d'honneur du site Richelieu. Et ici, on a accès à la galerie Auguste Rondel, qui est un des plus beaux magasins du site. Tous les ouvrages qui sont autour de nous, c'est-à-dire cette très grande galerie qui fait 44 mètres de long, est entièrement occupée par la collection Auguste Rondel et par toute la collection Auguste Rondel. Au plafond de la galerie, vous voyez, les peintures ont été nettoyées. La décoration d'Henri Labrouste est toujours en place. On y a bien sûr laissé le nom des grandes personnalités qui ont constitué l'histoire de la bibliothèque. Ce magasin était initialement destiné à la réserve des livres rares, c'est-à-dire aux livres les plus précieux. Aujourd'hui, c'est la collection la plus précieuse, mais des arts du spectacle.